Allô, bonjour les amis, ça va? Tout le monde va bien, j'espère. Ok, super. Donc aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo sur Campus France rapidement pour vous parler, vous donner des techniques par rapport à comment faire ses choix d'université, son choix de formation sur Campus France. Et donc, il y a beaucoup de petites erreurs que les gens font en général. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner ça très très rapidement, peut-être en 3, 4, 5 minutes là, pour que ça puisse vous aider. Là, je suis en train de partir faire une course, donc je vais dehors et comme je vous ai dit, voilà, quand je sors, je vais essayer chaque fois de vous faire quelques petites vidéos comme ça pour vous donner des conseils. En même temps, pour profiter, pour vous montrer le Japon, à quoi est-ce que ça ressemble. Toujours avec nos masques. Voilà. Voilà. Donc, par rapport à Campus France, comme vous savez, vous devez faire des choix du programme ou bien des choix d'université. Lorsqu'on remplit le formulaire du Campus France, les candidats doivent choisir la formation qu'ils veulent faire, dans quelle université il veut faire, puis mettre le nom de la formation et le nom de l'université dans les dossiers de Campus France, dans le formulaire en ligne. Donc l'erreur que les gens font, avant de parler de l'erreur d'abord, il faut savoir que Campus France, c'est un truc, chaque année, le nombre de demandes augmente. Donc les boursiers de 2021, ils vont demander, pardon, les bacheliers de 2021, ils vont faire la demande, les bacheliers de 2020, ils vont faire la demande aussi, ceux qui sont en BTS, en licence 1, tout le monde va venir faire la demande. Alors, c'est un concours et dans un concours, il faut tout faire pour être différent des autres. Il faut tout faire pour ajouter ou bien pour avoir, pour mettre les chances de son côté. Donc, ce que je m'apprête à vous expliquer, à vous montrer, là, vraiment, c'est pour que vous puissiez l'utiliser pour pouvoir augmenter vos chances. Ça ne va pas garantir à 100% que ça marche, mais c'est comme ça qu'il faut faire pour bien faire. Okay? Il faut utiliser ces techniques-là pour pouvoir mieux faire, pour pouvoir bien faire. Donc, comme je le disais, l'erreur que les gens, les jeunes gens, les gens que nous on coach et qu'on a l'habitude de voir, c'est que la personne choisit sa filière. Par exemple, je veux faire les finances, je veux faire le droit, je veux faire management, des trucs comme ça. Et il va sur le site d'une université, il regarde l'université, là je commence, je traverse un peu. Voilà. Il regarde l'université pour voir s'il y a la formation. Donc, quand la formation est présente sur le site de l'université, automatiquement il est content. Ok, moi je voulais faire par exemple l'université de Bordeaux, l'université de Montpellier. Je vais sur le site de l'université, je vais faire finance. Il y a la finance dedans. Donc je viens en même temps, j'écris sur mon formulaire Campus France, Bordeaux et puis finance. C'est très mauvais. Ok, comme j'ai dit, c'est un concours, ne faites pas ça. C'est très mauvais. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre l'habitude de faire. Il faut aller plus loin dans les investigations. Ok, et nous on a le coach Elodie, c'est elle qui me donne ces petits tuyaux, ces informations-là. Elle prend son téléphone, elle appelle l'université. Donc elle vit en France, elle appelle l'université. Ok, j'ai un candidat sous la main, il y a quelqu'un sous la main, ou bien je veux m'informer pour telle personne. On aimerait faire la licence en finance à l'université de Bordeaux. Est-ce que vous avez des places disponibles? Ok, parce que sur le site, vous allez voir l'information. Oui, l'école fait la finance, l'école fait le droit, l'école fait tout ça, c'est sur le site. Mais il faut savoir s'il y a de la place disponible pour la prochaine admission. Donc beaucoup ne font pas ça, ils mettent juste le nom de l'université, ils mettent juste le nom de la formation. Ils attendent, ils pensent que c'est bon. Non, il faut vous assurer. Est-ce qu'il y a encore de la place disponible pour recevoir les nouveaux? Combien de places? Parce que souvent, oui, il y a de la place. Maintenant, combien de places? Cette année, non, on va prendre 3 personnes. Cette année, on va prendre 16 personnes. L'année n'a pas bien pu être engagée l'année dernière. Donc, on va pas prendre de nouveau en finance, en droit. Donc, il y a plein de petites questions comme ça qu'il faut prendre. Il faut appeler, il faut s'informer avant d'aller mettre le nom de l'université sur votre formulaire de Campus France. OK? Donc, beaucoup ne font pas ça. Ils s'arrêtent juste au site internet. OK, let me cross the road again. Voilà, là, je suis la route comme ça, dans le Japon, dans mon Japon natal. Voilà, je vais au supermarché, mais voilà, Naruto là-bas, et Shikamaru. On prend un peu de sang, voilà, le sang de Asuma Sensei. Bon, je crois que je m'arrête un peu là, voilà, comme il y a un peu d'ombre, pour essayer de terminer la vidéo. Donc, comme je le disais, voilà, il faut continuer, il faut aller un peu plus loin, ok? Il ne faut pas juste vous arrêter sur le site internet de l'université. La formation, elle est là. Oui, ça a l'air d'être bon. Non, non. Il faut continuer. Il faut appeler. Si vous n'avez pas de parents pour appeler, voilà. C'est pourquoi on fait le coaching avec LDR au Japon dans mon équipe. On a quelqu'un là-bas en France qui gère ça. Ok, on a de l'expérience là-dedans. Donc, quand vous appelez aussi, il y a certaines questions qu'il faut poser. Là, aujourd'hui, je vous donne juste la question par rapport au nombre de places disponibles, par rapport au nombre de sièges disponibles, par rapport au fait que est-ce que l'école va accepter cette année ou bien est-ce qu'il n'y a plus de place? Donc ça, c'est la question
que je vous donne. Mais il y a d'autres questions par rapport à votre profil. Donc, Elodie, qui est notre coach dans ce domaine pour Campus France, voilà, elle va discuter avec vous, savoir quelles questions, quel genre de profil l'université cherche. Okay? Vous avez 12 de moyenne ou bien 13 de moyenne. Vous voulez faire la licence à l'université de Bordeaux, à Toulouse, je ne sais pas moi, en France, à Paris, ça dépend. Ok. Mais est-ce que vous avez le profil? Donc, elle discute avec vous, elle va appeler là-bas l'école pour voir, bon, on a tel profil, est-ce que vous pensez qu'on a la chance si on dépose avec Campus France? Il y a une discussion entre vous, si vous ne passez pas par notre coaching, si vous ne passez par une agence, si vous faites ça vous-même, cette discussion-là doit avoir lieu entre vous, le candidat, ou bien la personne qui vous représente et l'école que vous voulez faire. Donc, vous ne déposez pas juste là, vous n'écrivez pas juste le nom de l'université sur le formulaire et puis vous partez vous asseoir au champ et puis on va vous appeler. Dans ce cas-là, c'est que vous avez très très bonne note, 20, 18 de moyenne sur 20, 17 de moyenne sur 20, ou bien on va dire mention assez super bien, très bien, voilà. Là, vous êtes sûr que votre dossier est très très bien. Et même quand votre dossier est très très bien, c'est très très bien pour vous, dans votre pays, dans votre école, dans votre ville, mais vous êtes en compétition internationale. Pendant que vous demandez Campus France au Cameroun, il y a quelqu'un qui demande ça à Haïti, il y a quelqu'un qui demande ça au Gabon, il y a quelqu'un qui demande ça au Portugal, ok? Donc c'est une compétition, c'est un truc international. Donc il ne faut pas vous limiter juste au site internet ou bien à vos moyennes. Il faut pousser, il faut mettre les chances de votre côté. Ok? Voilà, donc c'est cette information de la sensualité rapidement. Voilà ce qu'il faut faire avec Campus France. Évitez, beaucoup de personnes font ça. Beaucoup de personnes, oh, c'est en français, je peux le faire moi-même. Je n'ai pas besoin d'aide. Tu vas, tu lis, tu choisis ton école, tu mets nom, prénom, combien de moyennes, qu'est-ce que tu veux faire. Voilà, les gens pensent que c'est juste ça. Mais derrière, il y a un travail qu'ils ne font pas. Et après, non, Campus France est dû. On dit de payer 50 000 par an. Non, non, non. C'est une procédure, c'est un concours international pour aller étudier en France. Les Mexicains font ça. Les Mexicains, ça a plutôt dit. Tous ceux qui ont la francophonie, tous ceux qui veulent aller étudier en France. Okay? Donc, imaginez tous les pays d'Afrique francophone. Imaginez les bacheliers de 2020, les bacheliers de 2021, les bacheliers de 2019, licence première année 2020, licence deuxième année 2021. Il y a plein de compétiteurs. Okay? La compétition est rude. Donc, ça a arrêté juste là. Nom, prénom. L'université fait ma filière, donc je mets mon université. Là, tu as tapé poteau, tu as échoué sensuellement, toujours dans la sensualité. Voilà, donc une vidéo très rapide, c'était pour vous dire ça. Quand je coupe là, je vais mettre mon masque parce que là devant, il y a beaucoup de personnes, comme vous pouvez voir, là, je suis la route. Voilà, donc je remets mon masque et puis voilà, je vais terminer ma course. C'était moi rapidement, Elder au Japon, toujours dans la sensualité. Bye bye, take care, bisous, ciao.